Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ah bah tu sais, je vous parlais d'odeur de mal alpha. Là on a un problème, Corentin. C'est toi qui bouge la plante? Allô? Il y a une couille dans le pâté. Du pâté? Oh. Mac, Mac. Ah on a les mains. Je suis en côte. Ok. Je tombe pas. Hashtag un iPhone pour Steph, faites un téléphone de Mel. Franchement, il est terrible. Ça y est, Corentin, on a. Ah. On a la date pour le Japon, ça y est. Eh oui. Du 19 avril au 2 mai. Ça dure longtemps. Ah oui, mais avant. Du coup, tu veux faire un autre voyage avant ça, c'est ça, Coco? Non, mais je viens d'avoir une idée de 500 là. Non. Corentin, tu pars 3 jours à LA. Qu'est-ce qui nous empêche qu'on part 3 jours avant et 2 jours après, on aille tous ensemble une petite semaine? Ah, t'es frais, Stéphane? Ambiance macabre, toi, je t'aime pas. Une petite semaine? Non, je avec Alex et moi dans une villa? Non, non, et si c'est avec Yann? Yann, pourquoi pas? Yann, Rome, dans la veste à fond. Bah, nouvelle saison, les préférés ont pas changé. Ouais, j'ai l'impression que. Bon. Ouais. Oh là là, la dinguerie! Oh la dinguerie! Oh là là! Coco, il y a une surprise dinguerie, dinguerie! Il y a une surprise de fou! Salut, chef! Elle a dit salut, chef! Ah, salut, chef! C'est six! En plus, ce matin, il disait pourquoi on a besoin d'autant de bureaux? Voilà pourquoi il y a besoin de bureaux. Petit café. Oh là là. Livraison d'Alsace. Merci beaucoup. Je vais lui chercher une chaise directe. Oh non, je la voulais à côté de moi. Petit café, mec. Merci. Oh là là. Ça va, Six? Ouais. Oui, bah oui, bien sûr, merci. Le dernier, il est pour moi et pas pour Steph. Oh là 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 là. En fait, elle va s'asseoir à côté d'Alex. Ouais, je veux bien. Non, mais là, t'es obligé de donner les avis de chacun. Tu les as vus en vrai pour la première fois. Oui. Alex, première sentie. Bah, il est grand, mais il est stylé. C'est que... Ouais, bien. Yann, regarde, Yann il est vraiment beau en ce moment. Yann il est beau. Hein. Ouais, j'avoue, mais en fait, toi t'es pas venu de rouge. Si, regarde. Mais toi aussi t'es grand en fait. Peut-être petite si, vraiment. Non, elle est pas si petite que ça, regarde comparé à Mel. Mel, mets-toi à côté d'elle pour une expérience sociale. Je pense que je vais rester par là en fait pour me sentir mieux au niveau de la taille à chaque fois. Mais ça fait trop bizarre. Sinon, elle était jamais venue encore. C'est la première fois qu'elle vient. C'est combien de temps que tu bosses avec Gotaga? Beaucoup trop longtemps. 4 ans et demi. 4 ans et demi, elle était jamais venue. C'est une ancienne. Mel qui a fait la petite surprise. C'est ça, surprise. Parce que ça fait longtemps qu'on veut la voir dans les vlogs, qu'on en parle, qu'on dit plein de fois. C'est plein de fois, on parle de Six qui est dans l'équipe de Londres, qui s'occupe des soirées du lundi avec l'édito, avec tout le monde, etc. Donc c'est quand même quelque chose, sa venue là, ça fait plaisir. Élise, elle a critiqué grave mon style. C'est simple, non? C'est sympa, non? Pour une reprise. Mais tu me dis, je mets plus de gel, tout le monde dit go la Turquie. Tu crois que je vais mettre du gel? Ça abîme les cheveux. Attends, sa première réaction quand Six elle est arrivée, il a dit putain, j'ai pas mis de gel. Il a trouvé le moyen de se remettre ça à lui. Et moi, du coup, tu m'as trouvé comment? Plus grand, plus beau, plus drôle? Plus beau, je pense que les vlogs ils te font pas assez justice. C'est ma préférée, ça y est. Un jour qu'elle est là, c'est ma préférée. Bah écoute, merci beaucoup. Tu lui fais visiter le locaux. Tu veux t'installer ou pas? C'était combien déjà pour dire ce genre de truc? La prime. Ah, t'as le seum, toi. Et elle, elle est morte de rire, mais elle, je la déteste. Élise, depuis ce matin, elle a une dent contre moi, t'as remarqué ou pas? Attends, mais faut lui faire la visite. Peut-être tu fais trop bien visiter. On est au. Ça c'est la salle de stream V2. Attends, faut allumer. Il y a tout ce qu'il te faut. Bon, il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de casque, mais il y a tout ce qu'il faut, t'inquiète. Donc voilà. Six in de locaux. Là c'est la nouvelle salle de réunion. Là c'est plus un coin créatif. Ça c'est, ouais, quand Mel elle vient ici, si elle te convoque là. Aïe, aïe. Si Mel elle t'amène dans cette salle de réu, aïe, 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 les problèmes. Hein. Mm. Donc là c'est la. En vrai, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est, il a dit. Tu peux changer de guide? Ouais, Mel, montre-lui. Ouais. Ça c'est le bureau de Mel. Ça c'est le bureau de Léa, l'assistante. D'accord, donc il faut pas se faire convoquer ici non plus. Non, là vraiment. Les augmentations et là-bas. Ouais, là-bas c'est pire. Okay. Donc là c'est la nouvelle cuisine. On peut appeler ça cuisine. Tu te fais passer toute seule pour une tyran. Et là c'est du coup le plateau. 5 setups parce que ce soir c'est soirée Valo. En vrai, c'est plus grand que ce que je pensais. Ah, tout le monde dit ça en vrai. Non, tout le monde dit ça. Tout le monde dit c'est plus grand que ce que ça rend à la caméra. Et surtout que plusieurs fois vous m'avez dit c'est trop petit pour faire ça, ça, ça. Ouais. Et en fait, bah c'est grand quoi. Là, tu vois, par exemple, je m'attendais pas parce que Doig il passe souvent en mode blablabla. RP Doig. Blablabla, tu vois, il fait souvent ça, mais je pensais qu'il y avait moins de place. Je crois que ça va être mon coin préféré, ça. Ça, c'est la petite terrasse. On est encore en fin d'été, il fait chaud. Ah, ça, c'est bien ça. Là, on est bien. Voilà. Vous avez pas de chaise pliante? Ah, de transat. Moi, j'essaye de forcer pour avoir un jacuzzi juste là. Coco, il m'a dit qu'il fallait qu'on ait 25 pouces bleus en commentaire pour que dans la vidéo ouais, pour que je pense, ça passe. Mais bon, et tu penses que pour si 26, il y a moyen d'avoir le parasol avec? Pour 26, ouais, je pense que ça peut passer. Hein. Bah là, à la limite, faut appeler un syndicat quoi, parce que ça va vraiment pas. Ouais. Pas de transat, pas de jacuzzi. Je suis d'accord. Et du coup, là, on va changer cette télé. Ouais, vas-y. Est-ce que t'as bien suivi? Pourquoi on doit la changer? Parce que ça a fait de la merde, elle est tombée. Non. Parce que Alex, ça fait de la merde, elle est tombée. Exactement. Je vous laisse installer les Forex tous les deux. Faut que ça soit au millimètre hein, pour pas qu'on voit la ligne sur le stream. Hein. Je vais changer de boulot. Si jamais quelqu'un recrute chef d'équipe.
Attends deux secondes, regardez ce qu'il est en train de faire pendant qu'il me bulle. Ouh ouais, donc ouais. Voilà, c'est ce que je disais. Bon bah let's go, la cinquième télé fonctionne. Il y a Six qui nous fait un petit nettoyage du MK pour que tout soit nickel, si ça c'est pas beau ça. Et on dit merci Six et Nema. Merci Six, merci Nema. Hop là. Les petits potes, saison 9, on est parti. Venez voir comment ça bosse fort pour la saison 9. Oh là 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 là, voilà. Alex, réalisateur, Mo, ingénieur vidéo, Théo, ingénieur son. Du coup voilà, Romaster Kill. Comme vous pouvez le voir, la nouveauté, les nouveaux écrans, les nouveaux légions. On est passé en un écran définitivement pour que ce soit plus beau sur les plans larges. Doig et Coco, ils ont les nouveaux claviers SteelSeries. Ah. Ils sont trop magnifiques. Faut essayer de négocier avec Elise pour en avoir un. Moi j'en veux bien aussi. Trop magnifique. Ah mais c'est tout compact, ça prend pas de place. Et du coup voilà, on est reparti pour un gros Master Kill Valo avec Squeezie, Locke et Kameto. Je pense que ça va être très très drôle. Donc voilà, c'est génial. D'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo juste ici, non, si mes calculs sont bons. C'est là. C'est là, vous pouvez retrouver mes calculs. Tes calculs. Retrouver la vidéo. On peut retrouver ici, les calculs de là. Steph. Voilà. Juste ici. Et voilà, on espère que tout va bien se passer ce soir. On espère que vous allez kiffer cette nouvelle saison. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Et voilà, et je vous dis bonne saison à tous. Peace. Regardez qui vient d'arriver, qu'il est beau, regarde le matos, t'as vu ça, nouvelle caméra et tout. Ça step up aussi dans les coulisses. Il faut, hein. Grosse année en perspective, hein. Grosse soirée déjà. Mieux. Ouais, grosse soirée. Tu dois coacher. Comment prendre des assists déjà, c'est pas mal. Bah, tu devrais jouer comme une boule corner, comme ça. Mais si je mets une flash, j'assiste. C'est quoi le bail là? En gros, il est censé se faire coach par mail. Mais pendant combien de temps? Il a dit, ouais, 10 minutes, le mec flex de. Pour jouer à Valo, quoi. 10 ouais, minutes. Ouais, genre c'est. Voilà, la mail en coach. Si tu veux une bonne stratégie, prends Sage, parce que tu dois porter la bombe. T'es la pute à la spike. Je sais pas, c'est. Ah, mais attends, la bombe elle rapporte pas de points dans votre truc là. Oui, mais en fait, tu te supportes. Regarde, il perd pas le nord. Hein. Il perd pas le nord, clairement pas. Corentin vient de me dire pour la soirée Valorant, le but n'est pas de gagner les games. C'est juste d'être. Top score. Donc, il va insta-lock. Tiens, voilà. Mot pour mot. Et je sais pas, pourtant c'est un Houssen, donc son esprit de gagne, tu vois, il doit être là normalement, c'est que pour la win. Ouais, mais il va gagner s'il est top scorer, parce qu'il paye pas du coup. Non, mais je sais exactement comment être top scorer. À n'importe quel game. Avec n'importe quel perso. Il va bait, il va lurk, il va faire que des trucs. Ça va être Dark Gotha alors que c'est un Master Kill. Il va jouer comme Steph quoi. Vraiment mieux. Sa technique c'est de prendre des persos qui font des dégâts aux alliés quoi. Bien sûr, en mode vas-y, go rusher le BP, t'as bridge derrière, t'es avec tes deux bras comme ça là. Ouais. Et dès qu'ils sont bien passés sur le BP, tu le tues tout le monde. Toi tu prends les kills des mecs qui sont stun et tes potes sont stun. Ça dure longtemps. Et ils peuvent se faire tuer du coup. Ils et toi tu prends les kills. Oh là 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 là. J'ai doublé ma sensi il y a pas longtemps. Ouais. Il est sur quand même gros. Sauf que là, il a fait fois deux. Que là le truc c'est que. Grosse sensi c'est sexy. Voiture et grosse sensi là avec Mel, tu coches des cases. Hein. Toi sur code j'avais la plus grosse. Bon les gars, on a une galère, il est 18h20, le Master Kill c'est dans 1h30. Et quand on vous dit que quand on teste les jeux, c'est du travail, c'est vraiment pour tester les jeux. On a testé vendredi, tout allait bien. Ils ont la séquence hein. Oh derrière. J'ai joué sur ce PC, tout allait bien. Et là, le là je le relance 2h avant pour faire un petit test de finalité. Il n'y a plus rien qui va, il y a une erreur critique, machin machin, quand on lance Valo. On a tout testé, donc on remplace le PC, à 1h30 de l'émission on n'a pas le temps. Donc voilà le PC de remplacement, et puis bah celui-là on va le reboot hein. Moi je suis trop nul, je suis bronze moi. Oui mais t'as casse, tu connais les... Ah ouais mais bon, mais c'est un Master Kill, on a le droit d'installer et tout. Ouais. En fait, ça, le sniper de Chamber est meilleur que la WAP que tu peux acheter. Ouais, 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 ça tire beaucoup ça plus tire vite. Et quand tu tues, ça slow le mec. Quand tu le tues, il y a un slow sur la zone en dessous. Tu vois, ça veut dire s'il y a d'autres mecs qui viennent, ils sont slow. Ah ouais, j'avais pas vraiment ça. Si, si, bien sûr. Bah ouais, je quand même. Tu connais pas quoi. Moi non plus. Non, moi je vais jouer comme une. Kamel il est venu raquer. Moi j'ai comme un rage, j'en ai rien à foutre. C'est qui notre entrée? Ah. Donc en fait Sage par exemple, tu vois, tu places un tilt. Ouais, ok. Tu mets sur un mec qui est chaud et... Bon du coup, on a réussi à réparer le PC, j'ai oublié de vous le dire. Donc c'est bon, on a changé de PC en urgence, celui-là il fonctionne. Puis voilà, tout simplement. C'est quand que tu fais le cable management Alex? Oula, moi j'en ai marre, j'ai trop fait de cable management, on a trop manqué de respect à mon travail. Mais dis-tu, mais il a monté trop vite les escaliers. On va aller voir Six. Alors qu'est-ce que tu fais Six? Bah pas grand chose en vrai là, hein. J'attends que ça lance. Et tu vas faire quoi ce soir du coup? Bah écoute, on va poster sur Twitter les bons clips, on va tirer au sort les gagnants, on va s'occuper du chat comme d'hab. Comme tous les lundis quoi. C'est ça, avec Nizer, Fisher et Nema. La petite équipe de l'ombre. On est prêt pour le début de la saison. Trop bien. Tu me fais une transition Into la soirée? Into la soirée. Ok, c'est parti pour le Master Kill. J'espère que t'es prêt quand même parce que ça s'entraîne fort ici. Hein. Frère, je suis le plus nul de la salle, je le dis.
C'est vrai qu'il y a Doig. Vraiment, tout à l'heure, il se prenait des flashs, il les regardait droit dans les yeux, les flashs. Bah, moi aussi. Mesdames et messieurs, regardez-moi ça. On est où? On est où? C'est moi qui ai décidé de faire cette story. Regarde mon t-shirt. Vous ne l'avez pas, c'est VIP. C'est l'édition 2019. Venez vite, cliquez sur le lien. Regardez, c'est le vrai Gotaga et le vrai Squeezie. Il a mis dans le genre. 5, 4, 3, spin black. 2, 1, c'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes pour la reprise des lundis. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui notre entrée et en plus, on est super bien accompagnés. Le Big Boss sur ta gauche, Kamel. Ils sont là si tu veux les regarder dans les yeux. Salut les gars. Toi aussi, c'est bon, t'es prête aussi. On est là, on est là. Bon courage. Coralie, t'as fait des petites stories. Applaudis parce que je suis connectée, ça y est. Moi, je suis bien pendant toute la soirée. Là, tu vois, j'ai pris mes petits papiers stylo. Je suis prête à intervenir pour aider Steph en plateau s'il se passe quoi que ce soit. Tu vas t'assurer que tout roule, quoi. Voilà, exactement, et qu'on fait pas d'erreur. C'est parti. Mais t'as montré que c'était détachable et tout. Quoi, tu... quoi? C'est des scraps. Vas-y, détache, vas-y, détache. C'est une blague. Hop. Oh là, mais détache pas. Moi, je pouvais le remettre là en revenant. On a besoin d'aide. On a même pas commencé. Appelle-moi pour tes travaux. Combien de temps t'as passé à faire ça, Steph? En vrai, c'est long. Attends, j'ai le dos. Je vais l'aider. Vous avez cassé ça. Je vais l'aider. Je n'interviendrai pas, ça restera tordu toute la soirée. On voit du blanc. Ça va? Non. Ah non, c'est pas beau. Non. Pour la blague, pour voir, on fait genre une démarre. Non, fois 1, tu perds. Fois 2, c'est bon, c'est un problème. C'est 2, 4, 8, 7. C'est un gros dégueulasse. Oh là 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 là, le putain, mais c'est pas moi, là. Mais je te le laisse, chef. Alors, et ta parole à Waplog. Il est tombé premier. Mais wesh, ouais, oh, je vais expliquer de la phrase. Vas-y, vous êtes relou là, c'est Master Kill. C'est pas ici, ça modère, ça prépare. On va pas les embêter. Par contre, vous savez, c'est Stéphane et sa famille qui ont fait les travaux de studio. Et regardez, ça fait 6 mois que c'est terminé. La poignée n'est toujours pas installée. Merci Stéphane pour les travaux. Ah, j'ai envie de me battre. Kamel. Non, non. C'est sorti d'affaire. Non. Ouais, je m'en bats les couilles maintenant, force à vous. En plus c'est une défaite, il va payer 10 millions d'euros. Gagne. On a le droit de respirer. Chut. Merde, gars, c'est ça. Chut, laisse jouer. Ah, laisse le jouer maintenant. Je suis désolé, mais on m'est tout seul. Je suis désolé. Ah, j'en ai désolé, excuse-moi. C'est okay. Vrai que c'était vraiment une connerie. On peut savoir le montant? C'est pas 2000 euros, j'en ai une mauvaise, c'est 1900 balles. Okay. Oh, Kamel, moi et Squeezie allons être ensemble. Et en face, nous aurons les deux meilleurs, Gotha et Locklear. Le plus bas score perdra et payera tous les kills fois 100. Ce qui veut dire, si on fait la même game qu'on vient de faire par exemple, on sera aux alentours des 6500 euros, 7000 euros. La pression, elle est au max. Ça tryhard fort. S'il vous plaît, zéro kill. Non. Oh non. Oui. HP. Oui. 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 Non. C'est bon là, y a quoi? C'est bon là, normalement. Y'a quoi? Y'a quoi? On gagne. Non, y'a quoi? Y'a quoi? Compte vite, Squeezie. 42. Y'a égalité. Y'a 46 à 46. Oh là 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 là, j'en reviens pas, putain! C'est 46 à 10! 46 frère! Mais attends, mais ça fait combien d'euros? Ça fait 92 fois 100. 9 800 euros. Moi j'ai un call de fou. Mais call de fou, c'est vraiment fou. On ouvre une roue de la fortune, on met nos 5 noms, et à chaque fois on lance, et dès qu'il y a un nom, il est out. Moi je suis chaud de faire la roue à 5, ouais. Moi? Laissez-moi. Moi? Laissez-moi. Moi? Non! Moi? Ouais! Ouais! Let's go! Je suis trop content, ça craint, mec! C'est bien stressé! Moi? Moi? C'est moi? C'est moi, bébé! Ladies and gentlemen, the last round. Gotagama is going to be broke. Oh, c'est... T'as mis de la mauvaise humeur dans cette game. Let's go. En plus il avait vaincu la game, ouais. Merci Gotha pour la soirée. Merci. On en a pensé quoi de la première montée d'équipe? Ben incroyable, hein, ouais, t'as vu, combien il a payé? Un mois de salaire pour Steph. Des bisous, vous êtes les meilleurs. Merci à vous. Bonne soirée tout le monde, tchou. Ciao. Je crois que c'est scripté à force, avec des scénars comme ça. Désolé, voilà. J'ai quand même le seul, mais en vrai. Ton émission recentrée sur toi à la fin. Clac. C'est bien. Clap de fin. Maintenant, ouais, le recentrage tout tient. Ouais, comme ça, parfait. Royal. Regarde sa petite bouille. Magnifique. Ok.
les gars. C'est vrai qu'elle est naturelle un peu la tête. Hein. Ah bah je suis vraiment triste, hein. J'étais en mode. Ah, je viens de perdre 9200 balles. Aïe 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 aïe. On va où là? Il y a Camille qui a dit suivez-moi. Six, Steph, Alex, suivez-moi, vous avez pas le choix. Du coup, on n'a pas le choix ensuite. Ouais, je vous invite à dévaliser la boutique, mais. Oui. Waouh, ça veut dire on prend ce qu'on veut dans la boutique là? Non, non, j'ai dit dévaliser pour le vlog, mais calme-toi. Hein. Oh là 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 là. Est-ce que j'ai une tête abonnée ou pas? Ouais, franchement. Tu veux pas essayer avec les cheveux détachés? J'ai jamais mis de bonnet cheveux détachés. Par sérieux? Oh, moi, j'aime bien. Ah ouais? Tiens, 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 qu'est-ce que... Oh là là, la dégaine, oh là là. Qu'est-ce qu'il a, lui? Okay. Comme ça, c'est bien ou pas? Machala, moi. Les oreilles et tout, c'est bien, là. Ça sent le caca de chien, je suis désolé, hein. Mais je vous désolé, jure que pas ça sent exprès. Vraiment le caca de chien. Ça regarde, sent le guette... caca de chien d'ouf. Non, mais ça sent le caca de chien d'ouf. Vos semelles parce que... Ouais, j'ai... Ah, c'est moi. C'est vrai? Ouais. Votre? Vas-y, moi. Oh non, c'est, Alex! C'est froid! Tu m'as pas dit elles sont neuves, celles-ci? Elles sont neuves. Ouais. Oh non, mon pauvre! Alex, la Suisse aussi, elles étaient neuves quand t'as marché dedans. Non, mais c'est pour les baptiser, c'est bon signe. Eh, je suis tellement beau avec un bonnet, regarde. Non, par contre, ils disent souvent je ressemble à un sgeg quand j'ai un bonnet. Répondez honnêtement. Non, pas du tout, tu t'es bien, ouais. Les toilettes, c'est là-bas! T'as pas trop une tête abonnée, ouais, par contre, je pense. Mais le bonnet est joli. Génial. Alex, on dirait qu'il va faire un braquage, ça me fout droit. Ouais. Tu sais, le méchant dans Maman, j'ai raté le. Tu vas où pour nettoyer? Nettoyer chez les filles. Non, non, c'est toi. Non, 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 c'est là. Non, c'est pas mal. Non, vraiment beau gosse. Moi, je prends ça et le but, c'est sûr et certain. Et en plus, je suis un vrai slayer sur Valo. Il existe le même en lurker ou pas? Tu sais ce que ça fait? Ça fait Jocelyne, 45 ans, en Amérique, qui va chercher son petit-fils de 18 ans faire du baseball. Pourquoi j'ai toujours une tête de Karen, moi? C'est oui, Kate qui va chercher son fils au baseball. Bah non, c'est nul, c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer avec une casquette. Tu veux quoi, l'image d'un... d'une racaille? D'une jeune sportive, de 20 ans, sportive, ouais. Dans la fleur de l'âge, un peu stylée, un peu street, un peu... On se retrouve samedi prochain pour le prochain vlog. Bon alors, on en a pensé quoi de ce premier lundi, toi qui le vois d'habitude tout le temps de l'extérieur? J'ai rencontré mes collègues, c'était cool. Classement des collègues, maintenant tout de suite, là, ça reste entre nous, personne ne verra rien, jusqu'au vlog. Moi ça change pas, c'est Elise. C'est Steph. Non mais clairement, je mets Elise, Mel, Cam et Alex. Ok, et ensuite? Ben après, il y a une ligne, tu vois, et il y a Steph. Bon, on va essayer de revenir plus souvent, Six ou pas? Allez, je m'en vais, salut hein. Six. On devrait se faire un montage et met Six là. Donc du coup, Six, tu vas revenir plus souvent ou pas? Ouais, vas-y, fais-nous Six, tiens. Steph, je te déteste. Super, je parfait. T'aime pas, Steph. Petite pause beau gosse pour un screen. Allez, 1, 2, 3. Camille, du coup, s'il te plaît, prends-moi un mannequin. Pas en demi-mannequin ce coup-ci. Objectif 2022, je suis mannequin. Au moins sur une collection. Pour dire oui, moi. Yann, je vais préférer Yann à Alex. Ouais, il y a du monde, mais pour dire Alex machin, il y a personne. Hein. Yann, Los Angeles. Yann, le meilleur moteur. Yann, le surfeur. Yann, il est trop frais. Yann, il est bronzé. Non, mais attends, parce que les gens vont dire ouais, c'est Tic et Tac qui s'embrouillent dans leur salle de réunion ouais, entre eux là. Ouais, mais on s'engraine peut-être entre nous. Mais bon, Yann à Los Angeles, mais pas Tic et Tac. Écoute, ce soir, ça va balancer des œufs sur la façade de Yann. C'est tout ce qui va se passer sur le retour. Viens, on y va maintenant là. On meuble de ouf, mais Cam, ce soir, il va jamais revenir. Je sais pas pourquoi on meuble. Cam. Ah Cam, bah alors? On meublait. Bah on meuble depuis tout à l'heure pour le truc. Merde. Bah... Ah non, parce que Six, elle a ses affaires pour partir, là, on est en train de prendre une douille, gros. Ah ouais. Ok, vraiment. Il est 1h28 du matin, on est tous fatigués, l'émission Master Kill de Valo vient de se terminer, et on a habillé la G-Corp avec la nouvelle co, voilà, tout le monde est parti, tout le monde a son petit merch. Oh, ton bonnet, monte ton bonnet. Voilà, regardez-moi ça. Hop là, voilà. C'est que de la qualité en plus, hein. En tout cas, on compte sur toi pour mettre ouais. Un montage sympa. Voilà, rends-nous beau, parce que moi, je suis pas beau, les produits sont beaux, mais moi, je suis pas beau, donc fais un truc, Andreas. Attends, tu peux être encore plus proche, s'il te plaît, là ouais. Et rendez-vous sur boutique.shop.gotaga.tv. Voilà. Bonne nuit. On espère que vous avez kiffé le lundi pour la reprise. Nous, ça nous a fait trop plaisir. Et Alexandre vient de se casser la gueule. À demain. Qu'est-ce qu'on vient de recevoir? On vient de recevoir des prototypes de quelque chose de secret et qui ne verra peut-être jamais le jour. Les premiers secrets de la rentrée. Ça verra peut-être pas le jour, donc il faudra flouter. Désolé. Fais une boule, Yann. Devinez, c'est stylé ou pas ce qu'on a reçu? Franchement c'est stylé, on a deux versions, deux prototypes, deux fournisseurs différents. Donc le résultat est différent des deux trucs. Et donc j'attends de savoir un petit peu qui préfère quoi. Mel, on est content de ce qui a été reçu? Ouais, plus ou moins, y'a des modifs à faire quoi. Du coup tu manges quoi, les repas de Coco? Tu sais pas, Coco c'est pas ce que tu crois. Et Zizi, hein, Coco il paye quelqu'un pour faire des bons repas. Et elle vient dans le frigo. Non mais je rêve. Non mais écoute, Coco, c'est pas ce que tu crois. T'es pas là pendant deux jours. Du coup, bah ton repas du midi, ton repas du soir et ton re-repas du midi, du coup, tu vas pas le manger. Donc, bah, il faut bien que quelqu'un se dévoue pour le faire, quoi. Ah, tu te dévoues pour manger ces bonnes petites pâtes au poulet. Et vu qu'on a pas de couteau, je suis avec deux fourchettes. Tiens, tiens, tiens. Oh là là, le mood de venir voir le petit Yann en train de travailler. Ça m'a manqué, en vrai. Ça t'a manqué que je vienne te voir? T'étais pas là où j'étais en mode, regardez. Et personne venait voir. Oh là là.
j'attends quand même la... En parlant de ton dernier best-of, Coco, il est très content de ton dernier best-of. Je sais, il m'a même envoyé un message. Ah oui. Oui, oui, oui. Je te jure que ça... Et il m'en a parlé deux fois. Et il en a parlé aussi ici quand il est arrivé lundi. Ah oui, c'est vrai. Hier soir, après l'émission, au moment de se coucher, il était encore sur les commentaires de la vidéo. Ah, il mettait des likes et tout sur le... Ouais, je me suis toujours demandé les likes... Les likes sur la chaîne Gotaga. C'est Coco qui l'aime. Voilà. Si en dessous du vlog, il y a des likes où il y a la petite photo de profil de Gota dessus, c'est Coco qui l'aime. Par contre, la chaîne secondaire, c'est moi. En vrai, il a kiffé ta vidéo. Je suis content que ça lui ait plu parce que, comme on fait un peu de nouveautés en ajoutant les streams des autres, un peu. Et oui, mais il a adoré le format et tout, comment t'as amené le truc et tout. Enfin, vraiment. Et ben nickel! Moi ça me va. Les nouvelles idées, tu vois, ça pète quand il y a des nouvelles idées, forcément. Ce qui est trop bien, c'est que les gens ils savent que c'est Yann au montage. Parce que avant les vlogs, les gens savaient pas, sachant que Yann, toi, ça fait depuis bien avant les vlogs que tu fais des best-of. Depuis le best-of 74 de la saison dernière. Ouais. Ça veut dire. De toute façon, la première vidéo que j'ai montée qui est sortie sur une des chaînes, c'est le 1er janvier 2021. Bah, voilà. Là, de toute façon, l'objectif avec la nouvelle saison, c'est quand même d'avoir des best-of avec beaucoup de nouveautés, un nouveau style, une nouvelle patte de montage qui va être beaucoup plus lisible et beaucoup plus agréable à visionner, même si ça l'était déjà. Avant, mais c'est quand même beaucoup. De toute façon, il faut évoluer avec le temps aussi. Avant, voilà. Je faisais beaucoup de séquences, des frag movies, des trucs un peu épiques, gaming, très gaming. Ce qui se fait plus trop maintenant, je le dis souvent maintenant, c'est sur YouTube, c'est beaucoup les gens, ils écoutent surtout et ils regardent moins. Oui, c'est vrai. Il faut que ce soit des trucs qui puissent comprendre juste en écoutant. Du coup, je passe du Coca-Cola, rien à voir, mais j'aime bien tes nouvelles lunettes. Merci. C'est vrai que t'es beau, Yann. Hein. On fait des efforts un peu. En plus d'être fort, t'es beau quoi. Et en plus, il va. Ah non, mais ça, du coup, t'es pas beau, je t'aime pas, t'es pauvre. Quentin, il a dit avec Tiketa qu'il veut pas y aller. Mais par contre, avec Yann. Il a plus que dit avec les deux gros lourdos que Tiketa. Ouais, du coup, il y va pas. C'est une blague. Ah bon? Je pensais que c'était. Comment on aurait fait pour les best-of? On aurait demandé. Andreas? Ouais, en vrai, le monteur des vlogs qui a vraiment le temps, je pense. Il fait les vlogs du samedi au samedi, puis un peu dans la nuit. Les best-of, il peut le faire le lundi. Le lundi, ouais. Juste le lundi, ça suffit, je pense. Ouais, t'en penses quoi, Andreas? Bon, du coup, tu fais quoi là? Bah. Je fais le best-of là. La minute de Yann, tu te souviens ça? La minute Yann. Bah, je fais du montage. La minute Yann. Et là, j'utilise la soirée Fortnite où ils ont découvert tout ce qui a été ajouté de Dragon Ball. Et du coup, je m'amuse à ajouter toutes les musiques de. Comment ça s'appelle? Budokai Tenkaichi. Un des jeux Dragon Ball. Ouais, je pense que c'est celui qui a le plus marqué. Et du coup, je m'amuse parce que, bah, comme d'hab, c'est avec Inox et Inox, il est un peu taré. C'est vrai que Inox, quand même, il est fort, hein, il est fort le loulou. Il aime bien hurler. Qu'est-ce qui t'arrive là? Bah, du coup, t'es en train de monter ça, c'est ça? En gros, je commence toujours par les clips forts du best-of. Et après, je remplis autour avec des clips qui sont un peu moins forts. Mais comme ils sont. Ça permet d'entrecouper les clips forts et du coup, ça permet d'avoir un. Tu doses en fait. Voilà. Ok, bah super, bah écoute, bon courage. Et puis, cliquez sur le petit best-of. N'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires, à vous abonner, road tous les 4 millions. Ça, c'est le best-of. Ça, c'est. Non, y'a plus ça. Y'a qu'un endroit, c'est que là-haut. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta aussi. Et dites, et dites merci Yann pour le best-of. Ouais. Est-ce que vous avez la rêve de. Je suis comme toi, tu es comme moi. Ah ouais, je connais. On se ressent. Tu connais ou pas? Alors là, Andreas, retrouve ce que c'est. Et tu mets une sache que c'est la honte pour toi de savoir ce que c'est. Ah ouais, mais non, mais je connais pas du tout. Tu t'es pris un gigatrap là. Je connais pas du tout, c'est quoi? Je suis comme toi, c'est vrai, je vois. Tu es comme moi, oui, je le crois. On se ressemble, toi et moi. C'est Barbie, c'était la reine. Non, je connais pas. Je regardais Grand Galop quand j'étais petit. Ah, c'est quoi déjà le générique Grand Galop? Mets-le s'il te plaît. Pour mes frères et sœurs qui regardaient Grand Galop petit. Les meufs dans le show. En fait. This is me. Fun for everyone. Ah oui. Oh, putain. Allez, this is me. Oui, ouais, c'est sur Gulli, ça. Tu connais. Je sais qu'Andreas, il kiffe aussi. Message de la France, non. À refuser la réunion. On fait un master quiz, là, Camille. C'est le 3 octobre. Oh là là. C'est bien ce que j'avais sur mon planning. On est au raccord sur les dates. Et j'ai eu Yann ce matin à ce propos, d'ailleurs. Ah ouais. Code Jordan, 3 octobre, master quiz. Ouais. Avec un casting de folie, j'espère. Un casting de folie, on l'a pas encore préparé. Bien sûr. Mais un casting de folie. Dis-le, dis que c'est mais de la folie. Ça va être de la force, comme dirait Léna. Zidane, Tony Parker. Zidane.
Fais une invitation officielle pour Zidane, s'il te plaît. Salut Zizou, c'est Kamel. Bonjour Kamel, c'est Zizou. Tu peux venir, s'il te plaît, pour une soirée du lundi Master Quiz et on va bien se marrer et les questions, ce sera du foot. Nice. Je pense qu'il va venir. Ouais. Zizou, tu peux pas refuser. Hein. Vas-y. Dis à quel point Steph, c'est un radin. Qui est le plus radin de la G-Corp? Steph. J'accepte tous les micros du radin. Monde. J'ai une tête de bite, tout ce que vous voulez, mais je suis pas radin. Ça, je l'accepterai jamais. Tu sais ce qu'il vient de dire? Vas-y. Que je lui ai dit. J'ai dit, écoute, je suis la plus chiante, t'es le plus radin, il faut accepter ce qu'on est. Et il a fait, ouais, j'avoue. Tu sais ce que tu m'as fait la semaine dernière? Tu m'as dit, viens, on descend au café, Steph, c'est moi qui régale. Tu t'es barré 20 minutes pour que je paye et que je porte tout. T'as quelque chose à dire sur ça? Qui est la plus manipulatrice? Voilà, mais ça oui. Elle était avec nous, ici, là, tranquille, elle fait, oh putain, Steph, je l'ai oublié. Non, c'est une malade. Tous les défauts du monde, mais je suis pas radin. C'est moi qui ai payé le plus de café ici à tout le monde. T'es pas radin, mais tu viens quand même de dire, je veux bien commander Starbucks, mais il y a 3 euros de livraison, oui, donc vous allez tous me faire un Lydia. Alors, excusez-moi, regarde le prix du mocha blanc où on est, 7,25€. Il y en a 5, 7 x 5, 55, plus les frais de livraison, on est à 86€. Mais c'est toi qui compte, il connaît rien en calcul. Voilà. Mais les frais de excusez-moi de ne pas mettre 86€ comme ça en pleine journée, 2 jours de travail. Radin est menteur parce que 36€ de livraison, je sais pas d'où il sort. Hein, mais... on se fait livrer en Porsche. Le premier degré, c'est pas qu'une température, les gars. Et en plus, ça reprend tes vannes. Il reprend ma vanne. Ouais. En plus. Tellement il a plus de vannes, tu vois. Il a tout donné cette année, il n'y a plus rien. C'est une rentrée de merde. Je vous le dis, saison 9, ça démarre très très mal dans cette boîte. T'as perdu toute ta fanbase, hein, t'as perdu toute ta commune. Ouais, toute vrai. Ta commune. Ouais. J'ai tout réussi. Oui, c'est vrai en plus. Hein. Je peux pas l'accepter. Mais si t'es radin. Non, si t'es un gros radin, mec. C'est encore un autre fun fact à ce sujet. De toute façon, là, t'es en train de me piétiner, c'est le défaut que je déteste le plus. Tu dis que je suis radin, donc vas-y, foutu. Bon, après, j'ai fini par dire oui, j'ai accepté, tu vois, y a aucun problème, je comprends. On a eu une soirée du lundi, donc ouais. On reçoit beaucoup d'invités, de guests, etc. Donc il y avait un invité, je vais pas citer son nom, qui n'avait pas de vêtements pour l'émission. Il fallait qu'il se change. Oui, vas-y, raconte-la cette histoire, vas-y. Sauf que du coup, bah, Steph lui dit, écoute, j'ai un t-shirt pour toi, bon, qui a coûté une certaine somme, donc c'était un maillot en l'occurrence, et donc du coup, il lui a prêté, donc la personne a porté le t-shirt de Steph. La personne, elle est rentrée chez elle, du coup, et en fait, elle a jamais redonné le t-shirt à Steph, parce qu'en fait, je pense qu'elle a tout simplement oublié. Mais Steph, c'est pas Gotaga non plus. T'inquiète pas, je vais raconter ma version. Finis ta version, je t'en prie, Mélina. Steph, il débarque en réunion, il me dit, ouais, du coup, ça se passe comment pour le remboursement du t-shirt? Ah non, t'as abusé pour faire ça. Non, tout à fait. Ça, non. Tu peux pas dire ça comme ça. Ah non, je raconte. Ça c'est absolument pas fait comme ça. Alors, je raconte. C'était un maillot du Paris SG. Vous connaissez le prix du vrai maillot du Paris d'accord, SG? C'est 140€. Sauf qu'on l'a acheté le jour où on a fait le live avec Mbappé, d'accord. Ce qui avait une énorme symbolique. Jusque là, t'as raison. Il était neuf. Jusque là, t'as raison. Il était neuf. Moi, notre cher invité que j'adore arrive trempé de la tête aux pieds. Je lui propose mon maillot. On va pas lui redemander. Ça fait radin de redemander le maillot au gars en partant. J'ai dit à Mel du coup, on va pas lui demander. C'est pas correct. Attends. C'est pas correct pour la boîte de redemander le maillot. On n'est pas à un maillot près. Sauf que moi, 120€, c'est énorme. T'as dit 140 il y a 2 minutes. Non mais en 180, fait, il a dit. Non, 140, mais on avait eu 5 ou 10% de réduc parce qu'on était avec chez ce jour-là. Excuse-moi, Mélina Houssen, de ne pas m'asseoir sur 120€. Tu voulais que je le dise comment, mais Alex? Dis quelque chose. Non, mais tu vas voir Mel, tu lui dis, Mel, j'ai dû passer mon t-shirt à machin. Mais elle le savait. Moi, il m'a coûté 140€, je vais pas te mentir. C'est exactement ce que j'ai dit. Oui, c'est ce qu'il a fait. Ah, bah du coup, c'est tu bon. Tu voulais alors. Que je l'amène comment? On a une intervention. Si je peux donner mon avis, je suis du côté de Steph. Okay, il a pas dit comme ça. Mel, tu l'as. Si, on le met, mais t'as pas dit ça. Alors là, travail, si ça sort pas. Les lundis, c'est je sabote lundi prochain, je te préviens. Vas-y, je paye les mocas, vas-y, c'est quoi, je paye moi, les mocas. Allez, c'est parti. Non, moi, maintenant je paye les mocas, comme ça vous direz plus que je suis radin. On va partir en réunion pour préparer la semaine suivante. Et je te laisse. On va se taper un petit moca blanc pendant cette réunion. Offert par Stéphane. Voilà, c'est bon, on l'a dit. Il fallait qu'on le dise, du coup, que c'est toi qui avais offert. Pourquoi? Pour ça, tout le monde est au courant. Vas-y, c'est mon cut. Stéphane, merci beaucoup de nous avoir offert les mocas blancs. Quand ils arrivent, je viendrai les filmer. Merci Stéphane. C'est vraiment plaisir. Merci Stéphane, je vais commander sur ton nouvel iPhone de seconde main à acheter récemment à Élise. Et Élise, elle l'a pas dit, mais elle s'est fait négocier à la gorge, hein, parce que Stéphane, il voulait payer le moins cher possible. Élise la frérotte, puisqu'elle me l'a proposé un putain de fair price. En plein de rire, on a reçu le Starbucks. Oh là là, Steph, il nous a ralassé. Merci Steph, t'es pas un radin, merci. Merci Steph pour le mocha. De rien la team, la prochaine fois c'est vous qui régalez. Oh. Ça marche. Vous avez fait de Lydia. Merci Steph. Tout le monde en commentaire, merci Steph en commentaire. Merci Steph. Ok Mel. Elle est en train de kiffer cette là. Cette photo de famille. Mais oui. Mais tu sais que je l'envoie à ta mère après, hein, quand c'est sorti sur le site, je lui ai envoyé quelques photos. Elle est stylée la photo. Mel, c'est pas souvent qu'elle kiffe les shootings photos où elle apparaît. Elle est très difficile avec elle-même. Alors que moi je la trouve super bien. Genre elle, je préfère que elle. J'aime bien.
Elle est bien. Mais wesh. Bah oui oui. Mais wesh en fait. Bah oui oui. Le bonnet un tout petit peu trop haut je trouve, mais sinon il y a quelque chose hein. Moi j'adore. Oh. T'as vu Pépé non? Mais j'adore. Pépé Twitter. Mais il est tellement expressif finalement sur... Ouais. Donc dans l'ensemble tu vois le petit shooting. Franchement tu peux dire à Elliot félicitations hein, parce que vraiment celle-ci c'est ma préf. Toutes les photos de groupe j'aime bien. Du coup bah ça ce sera les photos produits pour le site. J'aime beaucoup. Et ça va être grave. Stylax. Ça me va pas trop les casquettes. On essaye, fais voir ta casquette. Non, et ça te va bien là, je trouve la casquette en vrai de vrai. Oh ouais, ouais, ouais. Celle-là, elle est à faire gagner parce qu'elle est dédicacée par le boss. Je l'avais à la faire gagner sur Twitter. Oh là là. Et ouais, on dirait on est vendredi. Ouais, j'avoue, alors qu'on est mardi, mais. On est juste mardi là. C'est comme le nombre de Fatal, c'est la meuf qui dit. Ça y est, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Il y a un compte Twitter tous les mercredis, mais cette vidéo. Moi, vous savez à quel même vous me faites penser là? C'est François Damien qui fait je suis au bout du rouleau. J'ai envie de rentrer. Me foutre ma servante et terminer bonsoir. Un truc comme ça. C'est exactement ce que j'ai envie de projeter avec Twitter depuis tout à l'heure. Bah voilà, voilà, tu corresponds très bien au même. Personne a vu. Comme ça, la braguette ouverte. Elle veut pas couper la cam pour qu'on se casse là parce que j'attends. Putain, ouais. Par contre, tu me la reposes cette casquette, Una, parce qu'elle est à faire gagner. Ne commence pas à me mettre toute la sueur de ton crâne. Je me casse, I have some prac to do. C'est maintenant. La Logbizy s'est réunie à investir. Tu veux que je te donne un autre exemple ce qu'on a en commun avec Brooks que tu n'as pas? On est passé au-dessus du goal sur Valo par exemple. Pareil. On va te mettre là l'iPhone, on va regarder un peu plus, ça va t'aider à fixer le regard.